Signé Furax. Noir. Comme la mer du même nom. Je ne sais pas. Comme la forêt. C'est cela. La forêt qui donne naissance au Danube et la mer dans laquelle il vient mourir. Si vous voulez. Ce n'est pas moi qui le veux. C'est la nature, par la volonté de Dieu. C'est cela. Une soutane noire par la volonté de Dieu. Et alors ? Et alors quoi ? Vous lui dites en face et il vous répond. Merci. Et il fait demi-tour. Mais pourquoi n'ai-je pas fermé ma porte aussitôt ? Cela m'eût évité. Quoi ? Vous n'allez pas me croire. Mais si, mais si. Sous la soutane, il n'y avait pas deux pieds. Comment ça ? Le prêtre était une hijabiste ? Au contraire. Quatre. M'entendez ? Quatre. Non, je n'exagère pas. J'ai vu quatre chaussures comme je vous vois. Veuillez, s'il vous plaît, me tenir en dehors de cette affaire. Mais quatre pieds, quatre chaussures. Une paire de chaussures plates, chaussures d'homme avec des boucles dorées. Et ? Et une paire de... Une paire de chaussures de femme. Magnifiques escarpins vernis à talons aiguilles. Comme je vous vois. Mais oui, alors ? Alors j'ai poussé ma porte, j'ai couru à mon thermomètre et j'ai pris ma température. 44, vous m'entendez ? 44 ! J'ai cru mourir. Il y avait de quoi ? Et à quelle pointure estimez-vous les chaussures d'homme sous la soutane ? Je ne sais pas. Peut-être 37,5. Vous êtes sûr que vous n'intervertissez pas ? Votre fièvre et la pointure ? Ça vaudrait mieux pour votre santé. Ah, mais c'est exact. J'ai dû me tromper, mais suis-je bête ? J'étais beaucoup moins malade que je ne pensais. Donc, 44. Et les chaussures à talons ? Ah, des chaussures de femme, sans contestation aucune. Ma femme possède les mêmes, exactement. Exactement ? Et votre femme n'était pas chez vous ? Je vous ai dit que non. Peut-être aurait-elle pu être sous la soutane ? Qu'allez-vous penser, là ? Ma femme est catholique, mais elle n'accepterait jamais de partager une soutane avec un prêtre qu'elle ne connaît pas. Je plaisantais. Votre voisine, peut-être ? Ma voisine est au-dessus de tout soupçon. Et du reste, à cette époque, c'était l'hiver, elle ne sortait qu'avec des bottes. Alors qui ? Mais comment le saurais-je ? Vous avez conté la chose à votre femme ? Ben oui, mais... À l'annonce de mes 44 de fièvre, elle a eu des doutes. Quatre pieds, c'est impossible. Tu me dirais trois à la rigueur, ça pourrait peut-être tenir. Mais quatre, non, tu exagères toujours. J'ai pas osé insister. Si ce n'est... Si ce n'est... Le lendemain, ma fièvre était tombée. Le thermomètre aussi, d'ailleurs, sur le carreau. Le mercure était resté sur le carreau et du même coup, ma fièvre s'était envolée. J'ai donc reparlé de la chose à ma femme. Quelle chose ? Le curé. Ah, parce que quand vous parlez de la chose, c'est... Le curé, oui. J'en suis revenu aux chaussures. D'abord, les escarpins hommes à boucles dorées. Elle m'a dit que le brigadier de gendarmerie portait exactement les mêmes. Et puis, les chaussures de femme. Comme les tiennes, lui ai-je dit. Mais elle a haussé les épaules et nous n'avons plus parlé de cette affaire. Mais moi qui l'ai vécu, j'en suis marqué indélébilement. Vous y pensez souvent ? Continuellement. L'apparition d'un prêtre ou d'une religieuse me trouble. C'est plus fort que moi. Une force monstrueuse me pousse à regarder sous la soutane. Ça doit être du plus mauvais effet. Il ne vous est jamais venu à l'idée que ce prêtre n'était pas un prêtre. L'habit ne fait pas le moine. Tant de prêtres sont en civil qu'un non-prêtre peut bien porter l'uniforme. C'est pas joli, joli. Mais c'est pratique. Songez à tout ce qu'on peut camoufler sous une soutane. Documents, jambons, secrets d'État, pommes de terre. Mais les jambons, pas plus que les pommes de terre, n'ont deux pieds qui dépassent. Et si ces deux pieds, vous les aviez inventés pour brouiller les cartes ? Vous croyez que ça n'est pas assez embrouillé sans cela ? Dites-moi, qui vous a envoyé la carte postale et tout s'éclaircira. Le Danube, toujours le Danube, vous y tenez. J'ai de la suite dans les idées. Mais moi, j'ai pas de mémoire. Dommage. J'ai cru un moment que nous n'en étions pas loin. À cause du prêtre ? Pas du tout. Je n'ai pas marché.
Et votre voisine, dans tout cela? Comment, ma voisine? Elle est au courant? Je ne le crois pas, à moins que ma femme... Vous l'aimez, votre femme. Mais vous n'avez pas une confiance absolue. Bah, vous savez bien, un mot parfois en entraîne un autre. Et la charcutière? Que vient-elle faire là? Un recensement de toutes vos fréquentations féminines. Je fréquente que bien peu la charcutière. Quand ferme-t-elle son commerce? Le lundi, comme la majorité des commerçants, exception faite du boulanger qui ferme le jeudi. Le boulanger qui joue de l'accordéon? C'est cela. Et que fait-il le jeudi? Je ne suis pas attaché à ses pas. Je sais que parfois il joue aux cartes. Où? Au café du cadran. Vous allez parfois au café? Rarement. Et avec qui le boulanger joue-t-il aux cartes? Je crois qu'il joue avec le tailleur. Pourquoi avec le tailleur? Parce que le tailleur joue de la contrebasse. Pourquoi de la contrebasse? Vous ne sentez pas que c'est un instrument pour tailleur? Vous aimez la musique? Pas tellement. N'est-ce pas plutôt le boulanger que vous n'aimez guère? Non, je ne mange pas de pain. Et quand vous allez au café, rarement, mais quand vous y allez, que dit votre femme? Elle dit tu es en retard. Et que répondez-vous? Je hausse les épaules. Et ensuite? Ensuite je les rabaisse. Ça vous arrive rarement? Très. De préférence quel jour? J'ai pas de préférence. La dernière fois? Ça devait être lundi. Lundi les commerçants sont fermés. Il y a toujours un café d'ouvert. Et vous prenez un verre avec vos collègues, le marché terminé. Vous vous souvenez du café? Ma foi, non. Quels étaient vos collègues? Ça dépend des rencontres. La cousine de votre femme chaussait quelle pointure? Mais comment voulez-vous que je le sache? Vous devriez demander à votre femme. Peut-être seriez-vous surpris d'apprendre qu'elles échangeaient quelquefois leurs chaussures. Je vois vraiment pas où ça peut nous mener. La cousine de votre femme avait l'œil pétillant. Vous avez dû vous en apercevoir. Je ne l'ai pas remarqué. Vous êtes le seul. Et ses seins? Vous vous souvenez de ses seins? Vous n'avez pas le droit de me poser de telles questions. J'ai tous les droits. Quels furent vos... disons... contacts avec ses seins? J'ai légèrement effleuré son sein gauche en lui offrant les caramels. Et quelle fut sa réaction? Elle pivota son buste délicatement afin que son sein droit ne fût pas en reste. Et voilà. Vous avez ploté votre cousine au nez et à la barbe de votre femme. Elle n'était pas encore ma femme. Il n'empêche qu'entre les seins de votre femme et ceux de la cousine, vous n'avez pas hésité. La disparition de la cousine a été pour vous une déception. Qu'allez-vous chercher là? Je cherche ce que vous ne voudriez pas que je trouve. Parlez-moi des seins de votre femme. Je n'ai rien à en dire. À ce point-là? Oui, ça ne regarde personne. Attention à ce que vous dites. Que je sois un peu distraite, et je comprends que les seins de votre femme regardent personne. Votre voisin d'en face. Ah, je vous interdis. Ça ne vous plaît pas? Que votre femme confie ses seins à votre voisine ne vous semble pas agréable? Je le tuerais plutôt. Pourquoi lui? Ce n'est pas votre voisin qui porte les seins, c'est votre femme. Néanmoins, j'enregistre que vous n'hésiteriez pas à tuer votre voisin. Sincèrement, je ne l'aurais pas cru. Nous avançons, mais la situation n'évolue pas en votre faveur. Le voisin n'a rien à faire dans la poitrine de ma femme. N'ébruitez pas des choses pareilles. Mais j'en ai assez de toutes ces questions perfides et ridicules. Ne soyez pas méchant. Mais c'est vous qui l'êtes, vous me torturez. Vous êtes trop sensible. Vous vous faites des idées. J'en peux plus, moi. Rendez-moi mon petit cochon. Mon petit cochon qui monte et qui descend. Cesse-la, on va vous le rendre. On va le demander à la charcutière. Mon petit cochon à la queue en tire-bouchon. Et qui tourne, rose avec des yeux bleus. Moi, ça en moque, la charcutière. Elle voyage. Tous les étés, une année de New York, une année d'Asie, et l'avion, et le sleeping. Et mon petit cochon, lui, il tourne en rond, il n'en sort pas. Toujours tourné ainsi obstinément, il rattrapera sa queue. Sa petite queue en tire-bouchon. Ma jeunesse, mieux. Mon enfance. Ça monte, ça descend. N'arrêtez pas la musique. Laissez les cartons perforés chanter les valses de Vienne indéfiniment. Et les trois petits bonshommes frappés en mesure sur leurs clochettes. Et moi,
les saluer à chaque passage, un tour, deux tours, 20 tours, 1000 tours. La vie. Je suis innocent, innocent. C'est pas moi. J'ai pas voulu vieillir. Je voulais pas, je le jure. Ça s'est fait malgré moi. Le calendrier qui pleure, une feuille tous les matins, et les feuilles s'amoncellent, et les rides se creusent, et le vent balaye les feuilles, mais les rides restent. Et où est-il, mon petit cochon? À qui sourit-il? Non, non, tu tends jour après jour. J'ai pas voulu tuer, je le jure. Les adultes ne sont pas tous des assassins. Il y a des circonstances atténuantes. J'ai pas voulu tuer le gosse que j'étais et qui monte, qui descend sur le petit cochon, qui sourit sans le savoir, car il a bien dû l'oublier, lui aussi, son sourire. Et j'ai pas voulu cela. Je n'ai même pas vu. Je m'aime pas. Je m'aime plus. Oh, pardonnez-moi, c'est malgré moi. Ce sont les heures accumulées, envolées, perdues. C'est la vie. C'est...